Salut à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Sport en France pour une émission évidemment spéciale. Ce sont les trophées de Ligue féminine de basket 2022-2023. La saison vient de s'achever, c'est l'occasion de récompenser certaines joueuses, certains coachs. On donnera bien sûr le titre de MVP dans cette émission. On reviendra également sur les playoffs et les playdowns qui approchent à grands pas. Très très bien accompagné aujourd'hui avec, on commence avec les garçons, Angelo Tsagarakis, on est en infériorité numérique oui, aujourd'hui. Oui, là aujourd'hui on n'a pas l'avantage du terrain, mais c'est pas grave, on va représenter quand même. Mais on sait très bien pourquoi on est là, c'est pour mettre en avant nos demoiselles qui ont fait une saison magnifique. Donc ravi de pouvoir être présent aujourd'hui en très bonne compagnie à ma droite. Notre consultant et notre consultante également, Mélissa Diavocana, ancienne joueuse de Ligue féminine. Ça va Mélissa? Ça va très bien, merci beaucoup. En forme, prête à débattre? Toujours prête et toujours, toujours en train de représenter le basket féminin, vraiment honoré de ça. Et puis la directrice de la Ligue féminine de basket est avec nous également, tout de rose vêtue. Comment ça va Yannick Souvré? Couleur LFB, corporate, ça va très bien, merci. Plaisir de vous avoir et avant de basculer, puisqu'on va d'abord donner le 5 majeur de la saison qui récompense donc les 5 joueuses les plus régulières, en tout cas les plus performantes. On va peut-être faire un bilan, Yannick, sur l'ensemble de la saison, ça a été disputé hein, du début à la fin. Je crois que c'est une saison vraiment exceptionnelle qui a été haletante jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour. Et j'ai même de dire tellement jusqu'au dernier jour qu'il y a eu même des prolongations sur des matchs qui ont été dramatiques, dans le bon sens pour certaines et dans le mauvais sens pour d'autres. Donc oui, nous, évidemment, on est ravis. Un spectacle formidable, des grands matchs, des très belles équipes qui ont été vraiment très bien positionnées au niveau européen, avec l'ASVEL, oui, championne de l'Eurocup. Mais pas seulement, on sait que Villeneuve-d'Ascq, qu'ils ont battu en demi-finale, aurait très bien pu y prétendre aussi. Oui. Et puis le parcours de Bourges en Euroleague, qui est loin d'être anodin. Donc non, à la Ligue féminine, on en est ravis. On a un superbe classement à l'arrivée. On vous détaillera tout ça avec 8 équipes qualifiées pour les playoffs. En attendant, on va pouvoir récompenser les premiers trophées. C'est le 5 majeur présenté par la Caisse d'épargne. Je vous propose de découvrir donc les 5 visages qui ont marqué cette saison 2022-2023. Et félicitations à ces 5 joueuses, Yvonne Anderson pour Bourges, Kennedy Burke pour l'USBVA, Marine Johannes pour l'ASVEL, Odera Chidom pour Saint-Amand et enfin Isabelle Yakubu, un 5 qui a fière allure, Angelo. 5 qui a fière allure, pas mal d'autres joueuses qui auraient pu et peut-être dû... On va en parler petit à petit. ...prétendre à une place, mais le problème c'est qu'on met en avant 5 joueuses dans un championnat extrêmement dense, extrêmement homogène, beaucoup de talent, beaucoup de beaux CV, donc forcément il y en a qui sourient, il y en a qui ne peuvent pas le sourire, mais personne ne mérite pas considération dans ce 5 de départ. Et c'est une belle promotion, je pense, de la Ligue de manière globale. Avec notamment une Isabelle Yakubu, on le rappelle, 37 ans, championne avec Bourges l'an passé, qui est présente dans le 5 majeur. Oui, elle est présente et elle le mérite. Elle le mérite simplement parce qu'elle a fait une grosse saison. Après tout ce qu'elle a pu vivre, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. C'est une joueuse qui a des années derrière elle et devant elle, je pense aussi, parce que je pense qu'elle n'a pas fini de nous impressionner. Isabelle mérite d'être dans ce 5 majeur. Elle tient Tarbes jusqu'au bout. Tarbes aurait pu aller jusqu'à jouer ses playoffs. Elle a tenu la maison, elle a été présente physiquement, elle a été présente moralement, mentalement. Et surtout, elle a été un peu la grande sœur de cette équipe. Elle a été la maman de cette équipe. Et pour tout ce qu'elle est en train d'investir aujourd'hui et pour le futur, elle mérite d'être là-dedans et aussi pour ses stats parce qu'elle tourne quand même à 15,7 points de moyenne, elle a 8 rebonds et ensuite de ça, elle fait partie aussi du collectif parce qu'elle tourne avec 1,4 passes par match et ça de moyenne, c'est énorme pour une intérieure, donc ça veut dire qu'elle est présente non seulement sur le terrain, elle est présente des deux côtés. Effectivement, ouais. Elle est présente des deux côtés et ça c'est important et elle mérite à juste titre d'être dans ce 5 majeur. Et ça n'est pas la seule française puisqu'on a vu le retour de Marine Johannes, 4e fois pour elle en carrière hein, dans le 5 majeure de la Ligue féminine. Déjà. Elle n'était pas l'année dernière. Elle est de retour. Oui, elle est de retour.
On parlait en coulisses, Lucas, et vous m'aviez demandé si je pensais que c'était une joueuse qui avait progressé, qu'elle continuait dans son évolution. Et bien évidemment, c'est une des toutes meilleures joueuses du championnat qui peut prétendre un titre de MVP tous les jours de l'année. Mais j'ai un petit peu cette exigence envers elle. Déjà, je la connais depuis qu'elle est toute gamine. Et forcément, j'aimerais encore qu'elle passe certains paliers. Il y a des domaines où elle a été vraiment performante, notamment dans la création. Elle fait la meilleure saison de sa carrière au niveau des passes décisives. Elle a toujours été en capacité de faire les passes spectaculaires, mais maintenant de jouer peut-être encore plus juste pour créer ces décalages, pour faire le lien dans le collectif, surtout avec l'absence de Julie Allemand, qui aurait pu être dommageable pour l'équipe. Elle a dit pas de problème, je m'occupe de la création, les amis. Et c'est simplement peut-être au niveau de ses choix de tir, où elle est capable plus que 99% des joueuses de prendre des tirs absolument impossibles et de les mettre. Mais parfois, elle se contente un petit peu trop de ce talent. Je pense qu'elle devrait peut-être se recadrer dans une rigueur technique qui lui permettrait de monter ses pourcentages au tir. Mais ça, c'est mon exigence personnelle. Elle sait que je l'adore. Donc forcément, félicitations à elle. Et puis, c'est une ambassadrice de notre équipe de France et du basket féminin à l'étranger. Complété par Chidom, Burke et Anderson, on a un 5 qui a fière allure. C'est les joueuses les plus régulières, Yannick, qu'on récompense sur le 5 majeur. C'est quoi les critères? Ah ben je ne sais pas, il faut demander à ceux qui votent. Moi, je n'ai pas voté. Oui, certainement. Je crois que c'est la constance qui est le plus important. Comme l'a dit Angelo, il y a d'autres joueuses. Ça n'a pas dû être facile pour les votants, mais c'est des gens qui sont très spécialistes, donc ils savent bien mieux que moi le mérite qu'ont ces 5 joueuses d'être là. Et je crois que c'est intéressant aussi pour elles de savoir qu'elles auraient pu ne pas y être parce qu'il y en avait d'autres qui pouvaient y prétendre. Surtout Chidom pour moi, qui, ouais. Qui est peut-être celle qui est la plus limite. Sa fin de saison est difficile. Les 8 derniers matchs sont très compliqués au niveau individuel statistiquement. Son équipe gagne les matchs qu'elle devait gagner contre des concurrents directs, mais elle a souffert avec un calendrier lourd contre les meilleures équipes du championnat. Mais individuellement, elle a pas été à la hauteur de son début de saison où elle plante des 27 points contre des Lyon, des Montpellier. Et elle a vraiment répondu présent. Donc après, elle a suffisamment marqué les esprits et elle a été suffisamment constante sur la globalité de la saison, mais je pense qu'une Alexia Chartereau aurait pu prendre sur un poste similaire. Ça a été très serré. De toute façon, voilà. Les votes, beaucoup de joueuses de l'ASVEL pouvaient être mentionnées. On pense aussi à Alexis Peterson qui a réalisé le record à l'évaluation dans l'histoire de la Ligue féminine avec 50. Ça a été un beau 5 en tout cas, et félicitations une nouvelle fois à ces 5 joueuses. On va basculer sur les trophées individuels avec la meilleure jeune de cette saison 2022-2023. Il y a du suspense, ça a été serré aussi. Hein. On va pouvoir en discuter. Qui succédera à Pauline Astier, vainqueur en 2022? La réponse, c'est maintenant. Carla Leite, élue meilleure jeune de la saison. Une Tarbaise, et oui, la dernière Tarbaise qui avait été élue meilleure jeune, c'était Marine Fotoux en 2019. Emma et Carla Leite qui nous rejoint, tout de vert vêtu. Comment ça va, Carla? Ça va très bien, merci. Premier plateau télé pour Carla, évidemment. Donc un petit peu d'appréhension. Carla, c'est une fierté pour vous de remporter ce titre? Oui, bien sûr. C'était un objectif que je m'étais fixé en début d'année. Donc forcément, c'est une fierté d'obtenir cette récompense aujourd'hui. Elle a marqué les esprits, Mélissa, quand même, cette saison, il faut le dire, hein, Carla Leite avec Tarbes. Oui, elle a marqué les esprits. Comme on dit, c'est une équipe qui était à la limite des playoffs. Et on a une jeune meneuse de 18 ans qui est à la main. François n'a pas eu peur de la lancer. Elle n'a pas eu peur de saisir sa chance. Alors, toute la saison, ça n'a pas été simple. Il a fallu qu'elle puisse prendre sa place. Il a fallu qu'elle reprenne présent. Et elle l'a fait sur les 3 derniers matchs. Contre Villeneuve, elle a 18 points. Contre La Roche, elle a 22 points. Mais 15 points contre Charleville. On n'est pas en train de parler des petites équipes. On est en train de parler des équipes qui ont des expériences et qui, devant elle, face à elle, elle a de la concurrence, du répondant. Et elle sait répondre le dernier match. Elle sort malheureusement pour 5 fautes. Et je pense qu'elle aurait pu amener ce petit piment aussi à la fin. Elle en est dégoûtée, on le voit tout le long du match où elle sort. Mais je veux dire... Retire le couteau là. Retire le couteau s'il te plaît. Non, je veux dire parce que ça se voit, la frustration qu'elle a pu avoir, la déception. Mais voilà, c'est la jeunesse, c'est aussi... 19 ans, on le rappelle. Hein. 19 ans, c'est vrai. 19 ans, première saison professionnelle. On peut le rappeler, vous sortiez de l'académie Tony Parker à l'ASVEL. Comment s'est passée cette première année chez les pros?
Bon, au début, c'était compliqué. Je suis arrivée en étant blessée. Et puis, je ne suis pas trop une personne sociable, donc l'intégration... Comment ça? C'est un mensonge. J'ai du mal à m'ouvrir aux gens quand je ne les connais pas. Du coup, ça a été un peu compliqué. Mais après, on était une équipe jeune, donc ça a été facile de s'intégrer. Et Mélissa disait, la maman Isabelle Yacoubou, ouais, ça a contribué. Ouais, Isa, elle est vraiment cool. Ouais. Ça doit être pas mal déjà avec Isabelle Yacoubou. C'est génial, mais en plus, on a eu l'opportunité avec Hype de pouvoir rentrer un peu plus en détail dans la vie d'Isabelle. Elle est absolument fascinante et elle est surtout bienveillante. C'est-à-dire pour Carla, qu'est-ce qui a fait la bascule? Pour Carla, le fait de gagner ce trophée. Ouais, parce qu'il y avait d'autres noms, on peut saluer. Ouais. Il n'y en avait que deux vraiment. Leïla Lacan. Ouais, il n'y en avait que deux pour moi, ouais. À titre personnel. Même si Yocité, elle sera forcément une candidate de par son registre, le volume de jeu, son talent, donc on ne peut pas ne pas la nommer. Mais il faut mettre en avant celles qui ont, à titre individuel, fait la meilleure saison. Et pour moi, il n'y avait que Leïla Lacan et Carlita. C'était compliqué, je sais, Lucas. Qu'est-ce qui a fait la bascule? Parce que je sais que vous avez voté Leïla Lacan. Oui, j'ai pas eu de vote officiel, mais mon vote aurait en été. En tout cas, vous étiez là-dessus. Tout à fait. Sachant que j'adore Carla et qu'en plus, j'avais eu l'opportunité de la rencontrer au championnat d'Europe 3-3 U17 au Portugal et elle avait été absolument excellente. C'était juste pour moi le fait qu'il y avait une situation pour Leïla où elle avait plus de concurrence directe et qu'elle n'était pas forcément prévue à ce niveau-là en ayant deux étrangères de haut calibre sur les postes 1 et 2. Et donc, c'est ça qui, pour moi, mettait en avant cette surprise et qui aussi permettait pour moi de lui donner le petit supplément. En plus, elle jouait sur deux tableaux, il y avait la Coupe d'Europe, et qu'elle ait réussi à maintenir le rythme en étant encore plus performante en Coupe d'Europe avec l'enchaînement des matchs, c'était pour moi ce qui lui donnait le petit avantage. Après, elle a les stats pour elle. Parce que peut-être qu'elle avait de la concurrence, mais je ne retire pas, je donnais juste à Leïla. Du coup, je vais donner pour Carla, je suis désolé, mais... On lui donne l'opportunité et tout le monde ne sait pas saisir l'opportunité. C'est quand même la Ligue féminine, comme je dis, on joue tous les week-ends contre des joueuses qui sont très fortes et qui ont un calibre, qui ont un registre et qui ont surtout de l'expérience. Et arriver à assurer sa place, arriver à avoir une identité, à avoir son style de jeu, à l'imposer à son jeune âge, je trouve aussi que c'est du mérite parce qu'elle n'a pas fait sur un match, elle a fait sur une saison. Et ça aussi, moi, je peux dire qu'avoir les responsabilités, les assumer à cet âge-là, c'est pas... Je vais aller encore plus loin parce que moi, j'ai les statistiques de Carla Leite. C'est 11,9 points, quasiment 12 de moyenne. 1,8 rebonds. Mais surtout, les statistiques offensives, on n'avait plus vu une lauréate atteindre cette statistique depuis Valeriane Vukosavljevic en 2014 avec Basketland. Ça vous inspire quoi, Carla? Vous aimez scorer? C'est quelque chose qui est en vous? Oui, j'aime bien scorer, c'est vrai que je suis attirée par ça. Et bah, je ne savais pas que depuis 2014... Elle avait fait mieux que vous, un petit peu mieux, oui. Un point de plus. Mais bon, c'est toujours une fierté. Si on regarde des meneuses, si on prend les statistiques individuelles de chaque meneuse de la Ligue féminine, je reste persuadée qu'elle est dans le top 5 des scoreuses. Mais... Parce que c'est rare de voir vraiment les meneuses être celles qui vont scorer le plus dans notre championnat. Et elle est quand même à 11,9, donc presque à 12 points par match. Et comme je dis bien, elle est présente aussi des deux côtés. Elle prend 1,8 rebonds. Il n'y en a pas beaucoup non plus qui vont faire ça. C'est-à-dire que derrière, elle n'est pas non plus très loin. Le secret de notre conversation en coulisses avec Lucas pendant les semaines précédant le vote, on s'est dit, c'était tellement serré. On avait du mal à vraiment... pour moi, je disais, il faut donner un co-meilleur jeune, mais on ne pouvait pas. Et on s'est dit, on va laisser les 4 derniers matchs du championnat définir. On va laisser les deux décider d'elles-mêmes avec les dernières performances. Et évidemment, la fin de saison en boulet de canon de Carla lui a donné l'avantage. Et pour moi, c'était totalement mérité. Je crois que ce qui est intéressant sur ces jeunes joueuses comme ça, c'est effectivement sur une première saison d'être performante au début. Mais surtout d'être performante à la fin. Parce que là, il n'y a plus l'effet de surprise. Ouais. Elle est connue. Elle est attendue. Et elle est attendue. Et les équipes se préparent pour pouvoir la contrer. Et on l'a vu faire des choses qui sont quand même assez exceptionnelles. Maintenant, il faut lui souhaiter de continuer. Bien sûr. Parce que c'est qu'une première marche. Et derrière, c'est d'être capable de le réitérer. Parce qu'on le sait très bien, le plus dur, ce n'est pas d'y arriver. C'est d'y rester. Ouais. Donc, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Avec un record en saison à 26 points contre Basketland. C'est quoi vos axes de progression pour l'année prochaine? Bah, je pense que c'est me perfectionner au niveau du poste 1. Parce que c'est vrai qu'avec Marie, je me reposais un peu sur elle et je jouais plus 2. Et ouais, je pense que c'est vraiment ça. Et après aussi, défensivement, je pense qu'il faut que je bosse un peu. Ah, le clin d'œil pour Marie Pardon, c'est vrai qu'elle avait les clés cette saison à la main. Marie Pardon va quitter Tarbes la saison prochaine, c'est plus une nouveauté. Vous allez récupérer les clés, comment ça se passe avec François Gomez? Ouais, du coup, bah, là, je vais être entièrement sur le poste 1. Donc ça va être un nouveau défi et il va falloir que je m'impose, du coup.
Confirmer la saison prochaine, Angelo, ça va être intéressant. On sait qu'elle a la qualité technique individuelle pour le faire. Elle a surtout un sacré bras. Elle a une adresse naturelle qui ne fait pas défaut chez nos jeunes féminines, plus chez nos jeunes masculins. Et c'est très intéressant. Donc moi, ce que je l'encourage à faire, c'est surtout de continuer à s'enrichir des conseils de son coach, qui est un des meilleurs techniciens de LFB depuis de nombreuses années, qui en plus connaît très bien les équipes nationales jeunes et qui est un très, très bon formateur. Donc ça, c'est une vraie plus-value pour elle. Et de s'inspirer de ce qu'elle a pu apprendre cette année, justement, puisqu'elle avait une meneuse exceptionnelle dans la gestion et dans la distribution de caviar à l'appel en la personne de Pardon. Donc maintenant, c'est à elle de... Elle va faire des erreurs, hein, on s'y attend, on le sait déjà, mais c'est à elle de s'inspirer de ça pour justement maintenir cette progression qui est vraiment encourageante. Ça, c'est pour la saison prochaine. Mais Carla, vous venez de fêter vos 19 ans et il y a l'équipe de France qui se présente à vous. En tout cas, il y a un stage puisque Jean-Aimé Toupane vous a convoqué dans cette liste des 23 pour préparer l'Eurobasket. Première réaction quand vous avez appris ça et l'échéance qui arrive, comment ça se passe? Jean-Aimé, il était venu à Basketland et du coup, on a eu une discussion avec lui et je savais déjà à peu près que j'allais être appelée. Donc, ce n'était pas vraiment un effet de surprise, on va dire, mais le fait qu'il m'ait dit ça, j'étais quand même surprise sur le coup quand même. Et ouais, j'étais contente. Dans quel état d'esprit vous allez aller là-bas, au stage? Je ne sais pas si je vais pouvoir y aller vu qu'on est en play down et du coup, je ne vais pas pouvoir participer au premier stage. Mais en tout cas, si j'ai l'occasion d'y aller, je donnerai le meilleur que je peux et je prendrai tout ce que j'ai à prendre. Puis il y aura les U20 aussi, j'imagine, cet été. Cet été, compétition jeune en équipe de France? Ouais, je vais faire les U20, ouais. Ok, bon, on a hâte de voir la suite pour Carla Leite. Ça se passe dès cet été et la saison prochaine du côté du TGB. On reste ensemble, vous restez avec nous Carla, puisqu'on va découvrir la ou le coach de l'année. Cette distinction qui récompense le meilleur entraîneur de la saison 2022-2023. Suspense, qui succédera à Olivier Lafargue. Et oui, c'est David Gauthier qui succède à Olivier Lafargue qui l'avait remporté avec Bourges l'an passé. Félicitations David pour cette belle saison. C'est l'accomplissement aussi d'une belle saison avec l'ASVEL. Oui, bien sûr, merci déjà. Et c'est tout le travail de mon staff et de mes joueuses qui est aussi récompensé. Donc c'est du travail, même si la saison n'est pas finie. Mais en attendant, c'est très bien pour le club, pour moi. Satisfait de cet ensemble de saisons pour votre équipe qui a très fort démarré, qui avait commencé avec pas mal de victoires. Ça s'est un petit peu calmé là, ces derniers temps, mais sur l'ensemble de la saison 2022-2023, c'est plutôt convaincant. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de ça, c'est un peu dur parce que j'ai toujours pas digéré. On reste sur du sourire pour l'instant, David. Hein. On reste sur le sourire. En attendant, Détici au moins, ça fait penser qu'il y a eu quand même beaucoup de belles choses avant et que c'est pas fini et qu'on a quand même fait... beaucoup de belles choses. Déjà, arrivé à Bercy, c'était quand même positif. Mais voilà, maintenant, il faut qu'on apprenne de ça et qu'on finisse bien la saison. Et c'est votre première saison, on le rappelle, hein, puisque vous arrivez d'Angers l'an passé. Comment ça s'est passé, justement, cette installation dans une nouvelle équipe, dans un nouveau club? Ça s'est très bien passé, déjà, parce que j'étais très bien accueilli. Il y a tout un environnement, les dirigeants qui sont très bienveillants, qui m'ont vraiment mis à l'aise, qui ont toujours été derrière moi, donc c'est plus facile de s'intégrer. Et puis après, forcément, il y a un groupe avec beaucoup de qualité de joueurs, il y a un staff avec beaucoup de compétences, donc ça a été plutôt une intégration facile. Yannick, on parle souvent de la qualité des joueuses, mais il y a la qualité des entraîneurs, hein, parce qu'il y avait de bons beaux noms aussi qui auraient pu prétendre à ce trophée-là. Hein. Oui, et puis on sait dans l'équipe de David qu'il y a quand même aussi beaucoup de caractère, beaucoup d'ego à gérer, et c'est tout à son honneur d'avoir réussi à faire marcher cette équipe. Mais la saison, comme il l'a dit, n'est pas finie. Et je pense qu'on a tous hâte de voir ces play-offs. Oui. On a vu déjà sur la dernière journée que c'était plein de surprises. Donc David le sait certainement beaucoup mieux que moi, que ça ne va pas être un long fleuve tranquille jusqu'à la finale. Et je lui souhaite malgré tout d'y aller, comme je le souhaite à tous les autres, bien sûr. Il y avait quelques stars déjà dans cet effectif. Puis l'arrivée, hein, on s'en souvient, à l'été de Gabby Williams, de Sandrine Gruda. C'est un vestiaire dense avec des joueuses qui ont des égos, des talents. Comment on gère justement un vestiaire comme celui de l'ASVEL? On travaille déjà. On travaille.
Moi, la première chose que j'ai essayé de faire aussi, c'est d'apprendre à essayer de comprendre comment déjà elles fonctionnaient toutes pour derrière mettre un projet de jeu où j'allais concerner et puis investir un maximum de joueuses pour donner un bon résultat. Donc, c'était déjà le plus important. Et bien sûr, tout le monde a besoin d'être concerné. Mais après, c'est aussi des joueuses intelligentes, des joueuses dans le positif qui ont beaucoup d'expérience à pouvoir apporter. Dans le négatif, c'est des fois, elles auraient peut-être envie de faire des choses différentes parce qu'elles ont connu d'autres choses par d'autres moments. Mais mon rôle, c'est de dire non, là, on doit tous aller dans le même chemin et avancer pour le bien de LDLC Asvel parce que c'est ça le plus important. On a ressenti dès la première saison, Mélissa, on a parlé souvent de renouveau de l'Asvel par rapport à l'an dernier. On ressent la patte Gauthier dès la première année. Bien sûr, on la ressent, mais surtout, il faut savoir que ce n'est pas d'aujourd'hui, on le découvre aujourd'hui. Ce qui est là aujourd'hui, il le mérite parce que quand on suit un peu le parcours, c'est déjà un travailleur, c'est un bosseur. Comment savoir qu'un coach est un bosseur? Il faut suivre justement la progression de l'équipe. Et on a pu voir quand Angers était en Ligue 2 féminine, le jeu qu'il proposait, le basket qu'il proposait, ce n'était pas un basket qu'on pouvait retrouver un peu partout. C'était un basket différent. Il a ce flair pour chercher, trouver les bonnes joueuses, comment associer les talents et ensuite comment les manager et comment les faire jouer ensemble. Et ça a été la force de David Gauthier. Et là, il mérite tout ce qu'il a. Il mérite tout ce qu'il a aujourd'hui avec cette équipe de l'Asvel. Il arrive à les mener du début à la fin. Il arrive à modeler quand ça ne va pas. Il arrive à remplacer. Quand une joueuse n'est pas là, il sait quelle joueuse mettre. Oui, on sent la patte et on la sent tout au long de ce parcours. Et ça, pour moi, je tire mon chapeau parce que ce n'est pas facile. Parfois, on peut se perdre. On ne sait jamais vraiment ce qu'on vaut quand on a coaché en Ligue 2. Après, on a une équipe qu'on a réussi à maintenir quand même. Avec Angers. Pareil, avec Angers. Ce n'est pas des superstars. Il fait avec ce qu'il a. Je le comparais un petit peu avec les débuts. Enfin, avec aujourd'hui, un technicien comme François Gomez, il est un peu sa patte avec une génération bien au-dessus et bien avant. Mais avec cette connaissance et ce flair et chapeau. Avec déjà... Merci, David, vous remercie. Le fait d'avoir remporté le premier titre européen aussi pour le club. Vous avez le sentiment d'avoir marqué l'histoire déjà de l'Asvel? Oui, parce que c'est un premier trophée européen. Donc forcément, c'est un premier aussi pour moi, tout court, ouais. Au plus haut niveau. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis, on dit toujours, c'est sûr qu'on a envie de gagner, on a envie d'aller chercher les titres. Mais entre avoir l'envie et le faire, il y a toujours des fois un monde. D'ailleurs, l'Asvel, ça faisait 3 ans qu'ils n'avaient pas de trophée. Donc déjà, juste de retrouver un trophée dans la dynamique du club, avec tout le travail de tous les dirigeants, tout l'investissement de Tony, de Marie-Sophie pour monter cette équipe et faire grandir le club, je pense que c'est une première récompense. Mais voilà, ça en attend d'autres. On se souvient de cette finale remportée très très largement contre Galatasaray. Elles ont dominé de la tête des épaules le match aller et le match retour. Et ouais. Pourtant, il y a cette finale de Coupe de France où même ces derniers temps, elles semblent un peu méconnaissables par rapport à ce qu'elles ont montré sur l'ensemble. Oui, le problème, et ça, c'est pas évident à gérer pour un coach, c'est que quand on a... au cours d'une même saison, plusieurs tableaux sur lesquels on joue et qu'on arrive à trouver un succès initialement dans un premier tableau, c'est la gestion des têtes, c'est-à-dire le relâchement un peu naturel, un peu humain, le sentiment d'accomplissement, mais la perte de conscience aussi qu'on va avoir une claque de réalité qui va nous remettre un peu les idées en place très rapidement parce que les autres équipes n'ont pas les mêmes tableaux, les mêmes exigences, les mêmes ambitions. On savait, on en parlait aussi, hein, Lucas, vis-à-vis de Basketland, on s'est dit... Elles savent pertinemment que sur un match, tout est possible. Elles vont arriver à Bercy, qu'elles connaissent très bien. Il va y avoir toutes les Landes qui vont se déplacer. Et sur un match, elles sont capables de renverser les montagnes. Et ben, c'est ce qu'elles ont fait. Première mi-temps, exceptionnel. Céline Dumère qui nous fait une 2012. mais c'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas ce système de match aller-retour. Et on sent, et on l'a vu, hein, sur la dynamique, peut-être même le langage corporel de Gabi. Il y a plein de choses qui peuvent se passer dans la tête des filles. Et c'est pareil chez les hommes. Et on ne peut pas forcément gérer ça avec une anticipation. On peut simplement réagir à ce moment-là. Donc il y a la préparation maintenant des playoffs et on sait que cette équipe a tout le talent pour traumatiser n'importe quel concurrent quand elles sont vraiment dans un bon jour. Donc maintenant, au boulot. Et bon courage. Au boulot pour ces playoffs. Peut-être un point sur votre équipe, Julie Allemand, qui n'est pas là en ce moment pour votre club. On peut revoir la meneuse belge, qui est d'ailleurs meilleure passeuse de la saison en LFB, sur les playoffs, ou c'est compliqué? Non, c'est une possibilité. Après, Julie travaille dur parce que c'est une grosse bosseuse. D'ailleurs, quand on voit les MVP, je pense, vu le niveau de la saison qu'elle faisait, vous avez cité d'autres de mes joueuses, mais elle était partie de celle qui a pu être prétendante. Hein. Maintenant, elle a peut-être un nombre de matchs un peu court, mais elle a un vrai impact sur l'équipe.
Maintenant, voilà, on a d'autres joueuses qui ont pris le relais. On a aussi recruté Jessica Thomas. Donc, pour l'instant, on va se concentrer à ce qu'il faut passer ce premier tour avec les joueuses qui sont là. Puis, je sais que Julie a fait le taf de son côté. Il ne faut pas oublier qu'elle aura aussi un été chargé avec l'Euro, qui est aussi important pour la Belgique. Donc, voilà, on va voir tout ça, voir jour après jour comment elle va. Mais en attendant, bien sûr, si on peut la récupérer, ce sera avec grand plaisir. Mais honnêtement, je me permets, mais Julie aurait été ma MVP si elle avait fait le nombre de matchs. Parce que je l'ai dit… Elle fait une saison absolument historique. On n'en parle pas suffisamment parce que ce n'est pas dans la culture du basket féminin et ce n'est pas une statistique mise en avant très souvent. Mais le 50-40-90, qui est un standard pour les joueurs extérieurs d'efficacité au niveau du tir extérieur, elle le pulvérise. Ce n'est même pas juste qu'elle est dans les standards du 50-40-90, c'est qu'elle est à 93 et plus au lancer franc, qu'elle est à 50 au-dessus à 3 points et qu'elle est à 65 à 2 points. Donc elle est dans un standard d'efficacité exceptionnel. Pas de ballon perdu avec une production aux passes décisives absolument à faire. Impressionnante. C'était vraiment une maître à jouer de cette équipe qui est la meilleure équipe de la saison et elle la gérait de main de maître. Donc la considération pour le titre de MVP était importante de mettre en avant, surtout qu'on n'a pas eu l'opportunité de l'avoir suffisamment. En tout cas, ne le sera pas puisque c'est une autre MVP qui s'apprête à nous rejoindre dans quelques instants pour succéder donc à Iliana Rupert, élue MVP en 2022. Qui sera la MVP 2022-2023 ? Kennedy Burke qui remporte donc le titre de MVP, la joueuse de Villeneuve-d'Ascq qui est avec nous. Bonjour Kennedy. Hello. Thanks for being here. I'm happy to be here. Congratulations for your first season in France already MVP. What does it mean to you? Première saison en France et MVP, je vais faire la traduction, et déjà MVP pour votre première année. Kennedy. I was shocked. I'm still in shock right now. I'm just grateful and thankful for the people that voted for me, you know, and I have no words to say, so I'm just really happy. Angelo, allez-y. Parce que, au final, tu te débines. Donc, Angelo, la traduction en direct. En direct, elle n'a pas de mots, tout simplement. Elle était choquée, elle ne s'y attendait pas du tout. Elle est très reconnaissante envers les gens qui ont voté pour elle. Et c'est un sentiment qu'elle a du mal à exprimer à l'heure actuelle. Kennedy, forcément, ça a été une surprise vu la concurrence. It was a surprise because of the bunch of players in this league. Yeah, for sure. First of all, to the club, Chloe and Christophe, the general manager, they were like, "Yeah, you're gonna go to Paris because you were nominated," you know. So I was like, "Okay, so I'm gonna see a bunch of players," you know. But then when I came here, I was like, I started crying. I couldn't believe that. I was chosen, you know, but yeah, I still have no words to say because I'm just still in shock. So. Zilo. Tu peux y aller. Vous allez le faire chacun votre tour, ça, Mélissa. Elle a toujours pas de mots. C'est quand Christophe, le GM, lui ont dit de venir ici. Elle pensait simplement que c'était parce qu'elle était nominée. Donc elle allait se retrouver avec différentes joueuses. Mais puis elle arrive ici, elle apprend qu'elle est la MVP. Et donc elle est vraiment étonnée. C'est beaucoup d'émotions. Et jusqu'à là, à présent, elle ne trouve toujours pas les mots pour pouvoir exprimer. Ce que c'est comme ce qu'elle ressent. Quoi. Ça a été une belle surprise pour Kennedy Burke, donc élue MVP avec une très très belle saison, il faut le dire, de Villeneuve-d'Ascq, qui avait déjà réalisé une saison historique l'an passé et qui a fait presque mieux. Est-ce que Kennedy Burke est l'arme offensive qui manquait à Villeneuve-d'Ascq l'an dernier, Angelo ? Pour moi, c'est l'arme offensive qui stabilise Villeneuve-d'Ascq au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il leur manquait, oui et non, parce que toutes les équipes peuvent jouer différemment, donc selon la philosophie du coach, selon les forces en présence. Mais par contre, pour, comme le disait Yannick tout à l'heure, une première fois, faire le boulot, mais de le confirmer dans le temps et de revenir alors que tout le monde maintenant est au courant de ce qui se passe et qu'on peut s'attendre à un certain niveau de performance. Elles ont réussi à confirmer, elles ont été présentes, elles ont été dans le dernier carré au niveau de l'Eurocup et elles sont plus que jamais candidates pour le titre cette saison. Kennedy, almost 17 points per game. You're the second leader scorer
of LFB. Do you pay attention to it, its importance? To me, stats don't mean anything. I'm all about winning games, you know. I want to be the best player that I could be for my team, you know, so that we can win games. So, I mean, stats, they're cool, but like it doesn't really mean anything if you're not winning, you know. I'd rather win than be like the best player in the league. So. Je lui disais 17 points de moyenne, et est-ce que c'est quelque chose qu'elle considère, Emelissa, traduisez. Elle vient de répondre tout simplement que pour elle, la chose la plus importante, c'est gagner, c'est l'équipe. Elle ne prête pas vraiment attention à ce qu'elle fait par rapport aux statistiques. Donc, peu importe ce que ça peut être, peu importe les performances qu'il peut avoir sur les stats, elle, ce qui est vraiment important, c'est la victoire. La victoire, et c'est tout ce qui compte. Vous avez joué à l'ESBVA, Mélissa. Ça vous fait quoi de voir une joueuse cartonner comme ça à Villeneuve-d'Ascq? Je suis fier de ça parce que vraiment, Villeneuve, c'est, je représente avec le cœur. J'en suis fier. C'est un club qui mérite beaucoup d'honneur et je suis heureuse de les voir là où elles sont aujourd'hui. On peut aussi féliciter Rachid Médiane parce que, encore une fois, il a montré les qualités qu'il a en tant qu'entraîneur et de pouvoir aussi faire jouer ces joueuses-là comme Kennedy et de pouvoir les laisser s'exprimer parce que chacune d'entre elles a un jeu bien différent, mais chacune d'entre elles arrive à matcher et trouver sa place. Et je suis super heureuse et fière de voir qu'une joueuse de Villeneuve-d'Ascq aujourd'hui est MVP et c'est mérité. She said she hates the team, she hates you. No, no, she wouldn't say that. No, she would not say that. Tell me about Rachid Médiane, the head coach. Tell me about your relation with your head coach. Votre relation avec Rachid Médiane, votre coach. He's great, honestly. I feel like when I first came here, I knew that I was going to have a good relationship with him. He's a great coach. So I wasn't really unsure about how that relationship will go because I just knew that, I don't know, I just like, I knew that I was going to be comfortable on this team and with the coach too. There was a vibe? Yeah, it was a vibe. Like right when I walked in, like I just felt so welcomed, you know? So, I mean, that's why I really enjoy myself here in France. Angelo. Elle parle surtout qu'il y a eu cette dynamique qui s'est instaurée immédiatement où elle a eu ce ressenti vraiment positif dans sa communication avec le coach. Elle a senti qu'elle allait avoir une bonne relation avec lui tout de suite. Elle pense que c'est un super coach, très honnêtement. Et même dans l'ensemble de son club, elle a ce confort qui lui permet aussi de vraiment se sentir bien. Ce qu'on ne voit pas dans les statistiques, c'est qu'en plus, c'est une très belle personne. Ça, le club, Christophe Vitou, le manager, l'a dit. Je crois que c'est important aussi de mettre en avant cette partie-là, parce que je trouve que... L'intégration d'une joueuse américaine. Oui, bien sûr. Et les basketteuses sont des femmes, et des femmes accomplies, qui s'expriment sur un terrain de jeu. Et c'est la mission de la Ligue féminine. Et je suis ravie que ça soit elle. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, mais je sais qu'en plus, elle, c'est quelqu'un qui a de vraies valeurs. Et je trouve que tous les mots qu'elle a pu prononcer et l'attitude qu'elle a eue quand elle a découvert ça sont tout à son honneur et à l'honneur de ce club qui, effectivement, fait une très, très belle saison. Angelo, traduction rapide juste pour... She's saying that she's particularly pleased with the fact that you got the trophy because we see the court, but we don't see the off-the-court stuff. And she said that you're a beautiful person and that the general manager of the club had tremendous things to say about you, and that it's a known fact that you're a great teammate. So she's pleased because we always show women as basketball players and athletes, but we also want to be able to put forth the great character of the women playing this sport, and she's happy that it's you. Mélissa. Et au-delà donc d'avoir la MVP qui est du club, d'avoir aussi un bon coach, moi j'aimerais juste mettre un petit mot pour Villeneuve parce qu'on ne se rend pas compte le travail que Villeneuve fait. Moi je ne suis pas étonné qu'elle puisse se sentir bien parce que c'est vraiment un club quand on y est. Le travail qui est fait autour, comment on accueille les joueuses, comment on les met dans un confort qui est incroyable. Il y a tout un travail qui est fait autour. Il y a un réel investissement du président, il y a un réel investissement de tout le monde. Et en fait, on se sent juste aimé, on se sent welcome, je dirais en anglais, mais on est bienvenue à Villeneuve. Vraiment, je tiens à le dire, le travail que font, c'est extraordinaire. Je n'ai pas été dans tous les clubs, donc je ne pourrais pas parler pour tout le monde. Mais en tout cas, Villeneuve, où j'ai été... Ils t'ont laissé un vrai souvenir, parce qu'il y a eu d'autres clubs dans lesquels tu as été... Aujourd'hui, j'y retourne, c'est-à-dire que ce soit les hurlants, les supporters, aux managers, toutes les personnes qui travaillent autour de ce club, c'est vraiment c'est formidable. Et moi, je voulais avoir la vision du coach qui l'a affronté plusieurs fois, David Gauthier. Vous avez gagné 5 fois contre Villeneuve-d'Ascq cette année en championnat, en Coupe d'Europe et en Coupe de France. Mais à chaque fois, Kennedy Burke vous a donné du fil à retordre.
Bah, j'ai vu tous les clips, c'était contre nous quand même. On a choisi les clips exprès, David. Saying all the clips were against Asda. C'est une joueuse formidable. Non, c'est une joueuse très polyvalente aussi. Et c'est vrai, au-delà de toutes les qualités que vous avez tous dit autour d'elle, voilà, elle a cette capacité à apporter beaucoup de choses. Bien sûr, du scoring, mais à élargir le jeu, à pouvoir, s'il faut dépanner sur le poste extérieur, à jouer intérieur, à courir. Non, c'est vraiment... elle a apporté, bien sûr, elle est bien entourée aussi. C'est vraiment une équipe très physique, très complète, très basket à Villeneuve et qui sera redoutable pour les playoffs, comme vous l'avez dit, mais... Elle y contribue, elle mérite son titre de VP. Ouais, Kennedy, qu'on retrouvera avec Villeneuve-Dasque en play-off, des play-offs qui démarrent dès la semaine prochaine, mardi prochain sur Sport en France, où vous retrouverez les quarts, les demi et la finale en intégralité sur la chaîne. On va passer justement aux play-offs, on va pouvoir apercevoir notamment le classement final de ce championnat 2022-2023 avec un top 8 qui s'est dessiné. Et d'ailleurs, on aura dans quelques instants avec nous Olivier Lafargue et Julie Barène qui vont entraîner deux équipes qui vont s'affronter. Voilà le bracket très bien avec notamment votre équipe de l'ASVEL face aux Flammes Carolo, David, les Tango face à Basketland, Villeneuve-Dasque contre Angers et donc la série qu'on commentera également, Latte Montpellier face à Roche Vendée. Voilà pour le bracket. N'hésitez pas bien sûr à nous communiquer vos favoris sur les réseaux sociaux de la Ligue féminine de basket et sur Sport en France. On va basculer sur les affiches qui nous intéressent. Roche Vendée, BLMA, donc 18h45 mardi prochain. Et Basketland Bourges, mardi prochain également à 20h45. Ça va être une grande soirée de basket avec donc deux coachs qui se connaissent par cœur et qui se sont affrontés, on va même pas dire 10 fois, 20 fois, ils se connaissent, ils sont avec nous. Est-ce que vous nous entendez, Olivier Lafargue et donc Julie Barène depuis Mont-de-Marsan? Oui, très bien, merci. Je vous entends très mal, aussi. Moi, de mon côté, si on peut m'augmenter le son. Peut-être, Olivier, un petit mot pour votre successeur, puisque vous étiez le dernier vainqueur de ce trophée de meilleur entraîneur. Oh, félicitations à David. Ils ont fait une saison incroyable pour l'instant. Donc, voilà, bravo à lui et bravo à toutes les lauréates qui ont fait une grosse saison aussi. Julie, je ne vous demande pas de faire un clin d'œil à David Gauthier, mais est-ce que vous vous êtes remis de cette finale de Coupe de France ? Ça va, merci, c'est gentil. Je récupère ma voix. Vous pouvez faire un clin d'œil évidemment à David Gauthier, je rigolais. Merci évidemment à vous deux de nous rejoindre pour cette phase finale, ce quart qui s'approche. Olivier, vous êtes champion en titre. Il y a un statut à défendre clairement. Oui, il y a surtout quelque chose à aller chercher, plus qu'à défendre. Il y a un titre à aller chercher. Et nous, on est très excités justement de pouvoir aborder ces playoffs et d'aller chercher justement à renouveler, à récupérer un titre qu'on a envie d'avoir. Avec une série différente par rapport à l'an dernier, puisque ce sont des phases aller-retour désormais, est-ce que c'est un avantage pour vous? Vous allez jouer d'abord sur Mont-de-Marsan. Hein. Ouais, je ne sais pas si c'est un avantage ou... Je ne sais pas vous dire en fait ce qu'il en est. L'important pour nous, c'est juste d'essayer de jouer au mieux chaque match et de croire en nous et d'aller chercher à produire le meilleur basket possible. C'est surtout ça qu'on va faire. Quelle affiche, Yannick, pour démarrer là sur Sport en France en prime time, Basketland contre Bourges? Oui, effectivement, c'est vrai qu'on aurait pu penser, de par les noms, que c'était une finale avant l'heure. Mm-hmm. Mais je crois que celui qui dit qu'il sait qui va gagner, c'est un menteur. Oui. On peut mettre des pièces comme ça en pensant que, mais je pense que toutes les séries vont être indécises. Celle-là peut-être encore plus qu'une autre, mm-hmm. parce qu'on sait que Basketland est gonflé à bloc d'avoir gagné deux fois contre l'ASVEL. Je pense que ça doit les booster. C'est du mec rajeuni à vue d'œil, c'est impressionnant. Qui a 20 ans. 4 voilà, victoires sur les 5 derniers matchs. Ouais, ça joue très collectif, tout ça. Et puis on sait que Bourges, c'est un club champion qui est là depuis très longtemps et qui a l'habitude. Donc oui, je pense que ça va être intéressant et on espère beaucoup, beaucoup de monde derrière les écrans. Indécis, Mélissa ? Indécis, oui. Et surtout, je pense que par rapport à Basketland, moi, je pense que c'est pas que la finale. Les gens, ils vont voir parce qu'ils ont gagné la Coupe de France que ça va être quelque chose. Non, il faut voir que Basketland a eu un début qui était difficile. On a tous pointé du doigt en disant, mais est-ce que c'est normal? Mais comment elle se retrouve là? Etc. etc. Et jusqu'à aujourd'hui, moi, quand je vois le positionnement où ils en sont, je trouve que basket fait une saison, c'est quand même remarquable parce que partir d'en bas et revenir et se maintenir dans le top 5 et gagner cette Coupe de France, moi, je pense que c'est pas juste la Coupe de France, mais c'est de ne pas avoir lâché. C'est cette force-là, moi, je pense que ça va être un vrai boost. Ça va être se servir de tout ce qui s'est passé pendant la saison, d'avoir, entre guillemets, ce petit...
bonus avec la Coupe de France et de on va retrouver Basketon, des mois ça j'en suis certain. Et c'est pas parce que Julie elle est là, mais je le dis parce que je le pense vraiment. C'est vrai Julie que c'est une saison très particulière pour vous et le petit clin d'œil est vu. Julie, on a eu une saison du côté de Basketland un peu galère, c'est vrai, au début en tout cas. Et là, vous revenez dans le meilleur des moments, on a presque envie de dire. Oui, c'est sûr que c'est le meilleur des moments. Non, on est contente, c'est sûr qu'on a une année compliquée. Pour plusieurs raisons de toute manière, mais voilà, les filles ont montré que beaucoup de travail a fait du bien, que finir l'Euroleague aussi nous a permis de travailler un peu plus et avoir cet esprit-là qu'on a retrouvé qui colle parfaitement avec le club. Donc voilà, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour tout le monde. Angelo. Oui, pour moi, on en avait parlé, tu te souviens, Mélissa, en tout début de saison, quand on faisait la présentation, j'avais un petit peu pointé du doigt le manque de profondeur de l'équipe, pas le manque de qualité. C'était un 8 fort, très performant et interchangeable, mais le problème, c'est qu'une fois que Clarins s'est blessé, notamment, ça a redistribué les cartes, et qu'avec un calendrier. À 14, n'en parlons même pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, avec un calendrier très compliqué, parce que l'Euroleague, c'est pas simplement le fait d'avoir deux matchs dans la semaine, mais c'est l'élite internationale. Donc, c'est Ça demande énormément d'engagement, énormément d'énergie. Les déplacements sont très éreintants, on va loin, c'est fatigant, pas de temps de récupération et autres. Donc, ça explique en grande partie. Ça explique, je ne sais pas. Parce qu'après, c'est quand même des équipes qui ont l'habitude. Ce n'est pas quelque chose qui était méconnu. Mais après, il faut juste accepter que parfois, toutes les saisons ne se ressemblent pas. Et que ce n'est pas parce qu'on est fini champion que finalement, ça va bien se passer tout au long de la deuxième année ou la troisième. Mais tu peux pas remplacer les Akator déjà. Et tu ne peux pas recréer une dynamique intéressante rapidement quand tu n'as pas la possibilité de t'entraîner et sur une durée qui permette de sécuriser un peu ton collectif. Tu pianotes et tu essaies de t'ajuster, donc je pense que coach Aaron... D'où là leur force de ce qu'elles ont réussi à faire quand même, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas tombées, elles n'ont pas craqué, elles ont réussi à s'adapter surtout, s'adapter et trouver l'équilibre et voir ce qu'on a fait. Et le dernier truc que j'ai dit, je sais qu'on est toujours comprimé dans le temps quand on fait des émissions, mais c'est une équipe qui s'appuie sur le collectif. C'est une équipe qui n'a pas une individualité qui porte le collectif, donc forcément tout le monde est important. Et donc quand il y a une pièce qui sort de l'organigramme pour des raisons malheureuses, on doit recréer une dynamique, et c'est ça aussi je pense pourquoi c'est une équipe particulièrement dangereuse à l'heure actuelle. Et pourquoi aussi la coach est exceptionnelle. On va revenir vers Olivier Lafargue qui réalise quand même malgré tout une belle saison. Vous finissez quatrième, j'imagine qu'il y a de la déception par rapport à cette dernière défaite contre l'AT Montpellier, mais dans l'ensemble, comment vous jugez votre saison à Bourges, Olivier? Oui, sous pas tant la défaite contre Montpellier, évidemment, on aurait préféré gagner. C'est peut-être plus celle 15 jours avant contre le Hainaut à domicile qui est dommageable. Après, je crois qu'il y avait une saison où ça a été vraiment très costaud. Les quatre équipes de tête ne se sont pas lâchées de beaucoup pendant toute la saison. On sait que nous, bien sûr, on aurait préféré finir plus haut, mais l'important, c'est surtout, comme on le sait, d'être prêt pour les play-offs et puis d'arriver en forme. Donc on verra ensuite si derrière on l'est ou pas, mais l'important c'est surtout qu'on arrive à se qualifier et puis maintenant qu'on arrive à défendre notre titre, et ça je pense que ça va être quelque chose de bien. De donner le mot forme, Olivier, moi j'ai envie de vous tendre une perche, je ne sais pas si vous aurez envie de répondre à cette question, mais comment va Sarah Michel, le dos, et puis Yvonne Anderson? Sarah Michel, elle continue à se soigner. On sait qu'elle a tiré pendant une période de l'année en fait, où elle était blessée. Elle a continué à vouloir nous rendre service et à nous aider à atteindre les objectifs. Donc voilà. Et puis après, c'était plus compliqué. Donc du coup, elle est en train d'essayer de se retaper, entre guillemets, d'essayer de récupérer et tout ça. Quant à Yvonne, on sait que elle a marché sur un pied sur le dernier match et tout ça. C'est pas la meilleure des choses qui pouvait arriver ni pour elle ni pour l'équipe, mais on va essayer de faire le meilleur travail possible pour qu'elle puisse nous aider à jouer dans cette salle de Mont-de-Marsan. Yvonne Anderson qui restait sur un très très gros rythme avec les Berruyères. Julie, vous êtes forcément ravie d'accueillir peut-être ce premier match dans une ambiance qu'on attend chaude à Mont-de-Marsan, même si ça se joue mardi, ça risque d'être à guichet fermé. Hein. Oui, c'est quasiment à guichet fermé comme on a pu le faire sur les trois derniers mois. On a eu de la chance parce que même avec pas mal de défaites, on a toujours eu une salle qui était rempli. On sait évidemment l'avantage que ça a de jouer à la maison pour nous et d'avoir notre public derrière nous. Donc c'est évidemment quelque chose de bien.
On vous remercie tous les deux d'être passés nous voir. Vraiment, c'était un plaisir et on a hâte de vous retrouver. Donc, en play-off, ça sera mardi aux alentours de 20h. C'est le parcours le plus difficile, Lucas. C'est vrai ? Lequel ? Pour le vainqueur de ce… Déjà, ce premier tour, c'est le premier tour le plus difficile, le plus équilibré et le plus difficile. Derrière, il faut scoltiner le vainqueur de la série de l'Asvel pour ensuite potentiellement jouer le vainqueur de l'Athlon-Montpellier-Villeneuve-d'Ascq. Bon courage! ça s'annonce croustillant et c'est à vivre donc en intégralité sur Sport en France. Merci à tous les deux. Merci, au revoir. Plaisir, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup et on va se projeter vers l'autre série dans quelques instants avec donc le BLMA face à Roche-Vendée. Ça va être aussi une belle affiche, Yannick. Oui, mais comme je vous dis, je pense que c'est vraiment une saison exceptionnelle. Je ne suis pas là depuis très longtemps en tant que directrice de la Ligue féminine, mais au niveau de l'intensité et de la concurrence, je crois qu'on bat des records. Quoi. Et je le répète, qui dit qui sait qui va gagner est un menteur. Donc je crois qu'il faut suivre tous les matchs. Et puis on aura peut-être des surprises. Angelo a déjà dit que le parcours là était difficile. Moi je pense que tous les parcours vont être difficiles. Mais en fait, c'est Yannick, c'est la raison pour laquelle c'est le parcours difficile, c'est que Basketland était vraiment en sous-régime pendant de longs mois. Et il y avait une vraie cassure au niveau du championnat. Il y avait un top 4 défini et qu'il n'y avait aucune discussion. Et on se disait qui se bataille pour avoir cette place dans le top 8. Mais on sentait Basketland en difficulté. Basketland retrouve ses valeurs et son basket, comme tu l'as dit, au meilleur des moments. Et à un moment donné, tu n'as plus un top 4, tu as un top 5. Ah oui, c'est sûr. Et c'est pour ça que je te rejoins complètement dans cette optique qu'on a un championnat d'une densité historique. Parce qu'au-delà du fait d'avoir 8 équipes en Coupe d'Europe, mais qui sont 8 équipes compétitives en Coupe d'Europe, parce que même Charleville a été compétitif. Le fait d'avoir… Ça se joue sur deux matchs. Ouais. Sur deux matchs, j'ai envie de dire que l'équipe qui est supposée être la plus faible peut aussi taper parce que la pression va être sur le plus fort. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans cette formule-là. Bon, elle a été changée, on sait pour les raisons. Mais je crois qu'une équipe qui vient sans trop de pression aussi… D'accord, parce que là, le dernier match était quand même le summum de la pression. Ouais. Pourquoi ils ne viendraient pas ? Pourquoi Charleville, La Roche-Vendée, Angers ne pourraient pas créer la surprise ? Et nous, on va basculer sur l'autre quart, puisque Roche-Vendée va affronter le BLMA, comme vous le mentionniez, Mélissa. C'est coach Baudy, Emmanuel Baudy est avec nous depuis La Roche-sur-Yon. Comment ça va, Manu ? Ça va, merci. Vous êtes qualifié, ça y est, pour les play-offs. C'était ric-rac, ça s'est joué à la dernière journée, comme on l'a dit. Hein. Cette saison régulière était complètement folle. Mais l'essentiel est fait, l'objectif est atteint. Ouais, c'est ça. On voulait absolument rentrer dans les 8. Et c'est vrai que ça a été ultra compliqué. Je pense que je ne sais pas si ça a déjà été vu, ça, au niveau de l'histoire de la LFB, que les 5 derniers, comme ça, ils se disputent les 3 dernières places sur la dernière journée. Je pense que c'est historique. Donc. Ouais, ça montre vraiment la dureté de ce championnat et vraiment le niveau aussi qui est super régulier et super dense, quoi. Avec une dernière victoire en prolongation, on a vécu ça sur la chaîne YouTube de la Fédération Française de Basket. Ce match contre Angers, vous êtes allé le chercher avec le cœur, Manu ? Ouais, on a été le chercher avec le cœur, ouais, parce que franchement, aller faire un score comme ça à Angers, bon, même les deux équipes, quoi, faire deux fois plus de 100 points comme ça, c'est… C'est incroyable, on a offert un beau spectacle, je pense aux spectateurs qui étaient présents et puis à ceux qui ont regardé sur YouTube. Donc c'est juste incroyable, quoi. Avec un beau spectacle aussi dans les vestiaires, ça c'était en inside, Manu, je disais le mot cœur avec les petits frissons puisqu'on les a eus quand on a vu ce coaching que vous avez fait. On va regarder d'ailleurs le discours, c'est juste avant le match décisif pour tenter de se qualifier en play-off. J'ai fait un petit peu de bricolage, on sait, elle est là. Non, ça va aller. Eh oui, ça fait 2 mois qu'avec cette équipe, j'ai pas parlé avec mon cœur. Ok. Et cet après-midi, mon cœur, il s'est réveillé, il a dit, tiens, putain, Manu, fais un petit truc quand même pour cette équipe. Ok, donc vous avez tous un petit cœur. Vous allez poser chacune votre tour là. Le cœur là, vous allez le mettre au milieu de la table. Hein, ça va être le terrain. Le terrain, il est là. Allez, venez poser votre cœur là, sur la table. Allez, mettez-le comme vous voulez. Voilà, bon, et eh bien voilà. Mais les problèmes qu'on a rencontrés cette année, ils sont là. Ben oui, parce que regarde là, il y a une fissure. Là, il y a un espace. Regardez, il y a plein d'espaces où il y a des trous.
Alors, Tiff a la raison de bouger le sien. Parce que si Tiff a joué toute seule ce soir, si Tiff, voilà, Tiff, ça a été une grande basketteuse cette année. Mais si elle joue toute seule, ce soir, tu fais ça. Tu fais ça. Eh ouais. Ce soir, c'est tout le monde qui joue à l'unisson. Ok, tout le monde joue ensemble ce soir. Voilà. Et ce soir, tu mets tous tes papiers l'un avec les autres. Regarde. Hein, toutes les qualités de chacune, tu les mets. Voilà. Et tu vois, et puis regarde le coach. Tu vois? Tu vois? Tu fais ce que tu veux, regarde. Tu mets ton groupe bien, solidaire, là. Un vrai groupe, une vraie équipe. Hein? Soit on a besoin de ça. Eh bien, vas-y, déchire le papier, là. Vas-y, déchire-le. Toutes tes forces, vas-y, fais-le, là, toi, t'as de la force, là, vas-y, déchire-moi ça. Déchire-moi. Voilà. Eh bien, ce soir, c'est ça qu'il faut, c'est ça, c'est une putain d'équipe. Ouais. La séquence émotion avec Manu Bodhi, ça on a vibré avec les fameux cœurs que vous avez rapatriés, Manu, et en plus vous avez trouvé les mots justes pour Tiffany Clark, hein. 46 points. On lui refasse ça, hein. On retentera un autre coup pour voir si elle remet 46. C'était un énorme score, hein, en plus de la victoire, puisque c'est tout simplement le record de l'histoire de la Ligue féminine de basket. Elle efface largement le record d'il y a 17 ans de Tamika Whitmore, 41 unités. C'est une joueuse majeure dans votre équipe, vous en aurez besoin pour les playoffs, Manu. Hein. Ouais, franchement, elle est incroyable. Et la veille du match, le matin du match, elle était là, « Don't worry, Manu, don't worry, I'm here ». Et ça, franchement, c'est juste incroyable, C'est la force de cette joueuse-là, quoi, hein. Comme toutes les Américaines, c'est vraiment très très fort dans la tête et dans le mental, et franchement, elle est juste incroyable. Un mot pour coach Bodhi, Angelo. Alors moi, j'ai un petit côté affectueux pour cette équipe, parce qu'il y a Colin Franchelin qui joue, que j'ai découvert un peu plus tôt. La petite puce fantastique, là, que j'apprécie beaucoup, et c'est lié au 3-3, donc je parle souvent du 3-3, mais je baigne dedans, donc ça me permet aussi de découvrir toutes ces pépites qui, après, vont en Ligue féminine ou en LNB et brillent tout simplement. Elles ont quand même une grande bataille à remporter contre le BLMA, hein, pas simple. Elles ont une très grande bataille, mais c'était la série que je voulais absolument couvrir. C'était la série qui, pour moi, sera la plus excitante à regarder de par le profil de jeu des deux équipes. On sait que Roche-Vendée, c'est une équipe qui se projette vers l'avant, qui joue avec beaucoup de liberté. Ça, c'est l'ADN de son coach. C'est un coach pour lequel moi, à titre personnel, j'aurais apprécié jouer. D'avoir l'autorisation de shooter en 7 secondes, de pousser le rythme et tout ça. Donc forcément, c'est quelque chose qui me parle, et c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai très envie de voir ce qui va se passer. Il y a un sacré candidat en face, hein. Montpellier fait une grosse saison et fait partie de ces 3-4 candidats légitimes pour le titre. Même s'il y en a 5, comme on l'a mentionné tout à l'heure, mais Montpellier quand même a fait une saison très, très costaud. Mais coach, good luck, hein, comme dirait don't worry, be happy. On va voir comment ça va se passer, mais on a hâte de le voir en tout cas. Ça va être chaud, Zouderi, mardi? Ouais, ça va être chaud. Ouais, ça va être très, très chaud. Bah, tu peux venir, hein, même en moins de 7 secondes. Hein, on autorise à 4 ou 5 secondes. Aussi. Ça sera Lucien Jaon qui assurera le commentaire avec brio. Ça, on en est persuadé. Aux côtés de Angelo Tsagarakis, on sera du côté de Mont-de-Marsan avec Fred Weiss pour ce match dont on parlait tout à l'heure. Merci beaucoup, Manu. On a hâte de vous suivre. Ouais, franchement, ouais, un grand merci à tout le monde. Et nous, on va basculer sur une série, la série de Kennedy Burke et de l'USBVA Angers. Angers contre vous, Kennedy. You excited for the playoff to start? Yeah. Vous êtes excité pour les playoffs, Kennedy? I'm always excited to play basketball. When it comes to basketball, hey, I love the sport, you know. So I'm just ready to compete, take this team as far as we can, and have fun at the end of the day. Gelo. Elle dit que de toute manière, elle est toujours excitée quand il est question de jouer au basket. Donc pour elle, que ce soit les playoffs ou saison régulière, c'est la même chose. Et le plus important, c'est d'essayer de faire de son mieux pour mener le plus loin possible l'équipe et de s'amuser dans le processus. The goal is to win the championship this year. For sure. L'objectif de gagner. Yeah. You can. I believe you can. Yeah, we have all the pieces that we need. So. Yeah. Yes, they can. Elles ont toutes les pièces dont yes, elles ont besoin. Elles ont toutes les pièces dont elles ont besoin. Mais c'est vrai que Angelo, on va avoir une belle série, hein, contre Angers, entraînée par Aurélie Bonan. Ça va être Alors, une belle oui série. Et non.
Oui et non. Et il faut être pragmatique. Oula. Oui et non. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Non, mais quand on perd sa meilleure joueuse qui va quitter l'effectif pour aller en WNBA, forcément, ça va mettre un gros coup de bambou hein, sur la qualité du jeu qui va être produite. On ne peut pas remplacer une joueuse de cette qualité-là du jour au lendemain. Et ça déséquilibre forcément la série, qui n'était pas forcément la plus équilibrée pour commencer, parce que c'est le deuxième contre le septième. Donc déjà, il ne faut pas oublier que Angers s'est battue pour gagner une place en play-off et qu'elle a un bilan négatif, cette équipe, sur la saison. Et elle joue contre une équipe qui était à deux doigts d'aller en finale de Eurocup et qui n'a pas quitté le top 3 du championnat toute la saison. Et donc, ce n'est pas la configuration idéale pour Angers, mais il faut mettre le travail en avant d'Aurélie Bonan. Parce que elle a succédé à David Gauthier. Qui a succédé justement à coach Gauthier et qui a réussi à emmener également Angers en quart de finale d'Eurocup. Mm-hmm. Ce qui donc a mis encore en avant la qualité de notre championnat et après, c'est très, très, très intéressant. On rebondit juste pour David, un petit mot sur votre ancienne équipe qui a réussi à atteindre les playoffs. Ouais, ils ont fait un très beau parcours. C'est vrai que ce qui est important, c'est qu'Aurélie arrive à mettre sa patte. Elle l'a très bien fait. Ils ont eu un parcours brillant en Coupe d'Europe, en championnat aussi. Même si à la fin, bon, ils n'étaient pas sûrs. Mais les probabilités, quand même, les envoyer en play-off avec plus de chances que d'autres équipes. Et surtout, il y a eu du lien. Et puis, il ne faut pas oublier qu'elles ont joué avec une étrangère en moins, ce qui était prévu. Et c'est là aussi l'éclosion de la petite Laila Lacan a permis de compenser ça. Et puis, voilà, il y a Kelly Langa aussi qui a fait une énorme saison. Jody Corneli aussi. Non, c'est une belle équipe qui joue un basket très, très dynamique et très agressif. Mais un mot pour conclure. Oui, Peterson, évidemment. Ça, c'est, on verra comment ça se passe. Un mot pour conclure, Mélissa. Elle n'est pas encore partie. Donc, elle n'est pas encore partie. On n'est pas sûr déjà qu'elle va vraiment partir. Si elle n'est pas partie, il ne faut pas oublier que Villeneuve a presque perdu à Angers. Donc moi, je ne vendrai pas la peau de l'ours avant l'avoir battu. On sait que quand on commence les playoffs, c'est un nouveau championnat. Tout est possible. Donc même avec ou sans elle, il faudra s'y attendre à ce que les filles soient motivées parce qu'on ne joue pas de la même manière pendant la saison que pendant les playoffs. Ça, tout le monde le sait. Et donc, les surprises peuvent arriver. Villeneuve peut avoir un mauvais jour. Basket-Temps peut avoir un beau jour. Il en suffit de deux pour que ça puisse passer. Donc moi, je dirais que oui, c'est ne part pas avec un avantage si Alexis n'est pas là. Mais si elle est là... Il y a Carla qui regarde les statistiques de Alexis Peterson. Ça vous parle, Carla? C'est assez incroyable. On rappelle 50 d'évaluation. Hein. Vous le ferez peut-être un jour. J'espère. Sur 50 un match. Et 45, ça veut dire. Et 45. Oui, absolument. Ah, qui a battu donc le record. Il y a deux records qui ont été battus, plus celui de Céline Dumerc, devenue meilleure marqueuse de l'histoire. Ça, il faut le souligner. On bascule rapidement sur Lyon contre Charleville-Mézières. On profite de votre présence, David. Sur le papier, vous êtes favori, mais ça peut être piégeux, hein, les play-offs. Ça peut être piégeux. D'ailleurs, je rebondis d'ailleurs sur bravo à Céline pour le titre qu'elle a dépassé ma directrice sportive. Mais attention, parce que Pauline n'a pas dit son dernier mot. Elle peut revenir. On a Marie Jeunesse qui va louper quelques matchs l'année prochaine et on envisage qu'elle mette une petite vingtaine de points pour repasser devant. Quand même. Ça va être pas le petit coucou clin d'œil pour Pao. Qu'on embrasse. Ouais, les playoffs, c'est jamais facile. C'est un nouveau championnat, c'est un nouvel état d'esprit. Nous les premiers, maintenant on doit rebondir après ce qui s'est passé, on l'a bien fait à Landerno, mais là il faut se mettre dans l'esprit play-off, c'est l'intensité, c'est la fatigue dans toutes les joueuses, toutes les équipes, il faut juste se mettre en mode guerrier et avancer match après match. Surtout Charleville, La Roche, Angers, c'est des équipes qui étaient à quelques points de pouvoir basculer sur des play-downs, à l'inverse, Carla, voilà. Mm-hmm. Donc elles ont zéro pression, elles vont être libérées, elles vont jouer pour s'amuser. Et ces équipes-là, des fois, c'est les plus dangereuses. Lucas, j'ai une question pour coach. Jouer le premier match à l'extérieur, alors qu'on est le mieux classé, avantage, désavantage? À la base, on dit c'est recevoir, c'est un avantage de recevoir le deuxième match parce qu'on est chez nous. Mais on a gagné l'Eurocup avec un mauvais ranking où on a fait tous nos premiers matchs à domicile et on a mis la pression sur l'adversaire à chaque fois sur ce premier match à domicile. Donc, entre ce qu'on pense et la réalité, en tout cas, nous, en Eurocup, jouer le premier match à domicile, ça nous a porté chance. Carla, il n'y a pas Tarbes en play-off. Vous allez supporter l'ASVEL, du coup? Je sais pas, franchement. Quel meilleur gagne, hein, après. Je dis ça, c'est votre club de formation. Je sais pas, en vrai, il y a un petit truc qui me dit que ça me ferait plaisir que l'ASVEL gagne. Après, je n'ai pas forcément de favoris dans mon cœur, on va dire. C'est vrai, David, que vous aviez essayé de garder Carla avant son départ à Tarbes ou pas? Ou c'est une bêtise? Déjà, je n'étais pas là, moi. Mais quand vous êtes arrivé, est-ce que... Ouais, mais par contre, j'ai essayé, en tout cas, elle était dans le top 2 pour la faire venir à CDL ou la petite Lacan. En tout cas, j'étais sur les deux à Angers. Mais,
Non, en attendant. Il a le flair. Il l'a senti. Il a senti les deux talents. Et non, Carla a fait une bonne saison, mais après, je ne peux pas dire ce qui s'est passé à Lyon. J'y étais pas et je ne voudrais pas dire de bêtises. L'ambition pour vous, Carla, c'était aussi de prendre du temps de jeu, gagner en maturité pour votre première année. On va en parler de Tarbes. Je sais, vous êtes déçu de ce résultat de play-down, mais il va falloir les jouer pour maintenir le club. Ouais, bah, de ce que j'ai compris, il faut juste gagner un match. Donc on ne devrait pas avoir trop de problèmes, donc voilà, mais c'est vrai que c'est une déception d'être en play-down, c'était pas ce qu'on avait convenu en début d'année, donc on est un peu triste. C'est la particularité de cette LFB qui est très dense, Yannick, des équipes qui auraient pu jouer les play-offs mais qui jouent les play-down. C'est en gros de 9 à 12, hein, la place 9 à 12, Tarbes, Saint-Amand, Toulouse et Landerneau qui vont se disputer ce maintien. Oui, effectivement, et c'est vrai que c'est pas difficile avec Landerneau qui part avec un handicap certain, alors que c'est un club qui travaille très très bien, qui a un super centre de formation. Donc c'est toujours un déchirement pour nous, ligue féminine, on s'attache aux gens aussi. Le président Grogenec est quelqu'un d'extrêmement positif pour la ligue. Il est le représentant des présidents. Voilà, et c'est vrai que c'est toujours délicat, on est toujours malheureux, mais bon, voilà, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et bon, en ce qui concerne Tarbes, effectivement, c'est peut-être un petit peu plus réjouissant que d'autres, que Landerneau ou Toulouse. Mais voilà, il faudra jouer. Et puis, ben, malheureusement, il y en a un qui descendra et il y en a un qui montera. Donc, Qu'est-ce que vous vous êtes dit après la défaite, hein, en double prolongation dans le vestiaire, Carla? En fait, avant le match, on s'était dit qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu ce match en fonction des résultats des autres équipes. Et vu que le match de La Roche contre Angers, il a tardé, c'est-à-dire qu'après notre défaite, on était tous sur notre téléphone à attendre le résultat du match. Et quand on a vu que c'était La Roche qui a gagné, on était un peu... Enfin, c'était le chaos dans le vestiaire en vrai. Mais on s'est dit que c'était comme ça et qu'on ne pouvait rien changer et que maintenant, il fallait juste qu'on fasse le job en play-down et gagner un match. Il y aura parmi ces équipes Toulouse, Mélissa, qui finit très très fort. Hein. C'est une fin de saison canon des Toulousaines. Je reste persuadé que ça va être la grosse surprise. La manière dont Toulouse a réussi à finir cette saison, le roster, le nouveau roster, parce que c'est toute une nouvelle équipe qui est là avec Toulouse et qui pour moi va faire beaucoup de dégâts. Attention à pensant que vous allez gagner un match, les play-downs c'est comme les play-offs, c'est un nouveau championnat où il ne faut pas partir avec en se disant c'est une question de points puisqu'on part avec les avantages qu'on a par rapport aux équipes qu'on a gagnées. Mais ça peut très vite, on peut très vite se retrouver à être maintenu et redescendre et on peut très vite se retrouver en train de descendre et être maintenu. On voit Toulouse là contre Tarbes qui avait impressionné notamment. C'est un nouveau roster, donc les filles jouent très bien ensemble, c'est une belle équipe, c'est un beau effectif et tout le monde a sa place, tout le monde a son, entre guillemets, son rôle et moi je dis qu'il faut faire très attention, très très attention. Ça va batailler à tous les étages, vous l'avez compris, nous on suivra exclusivement les play-offs et on voulait récompenser en plus des trophées puisque la Ligue féminine a créé des toutes belles casquettes vraiment à l'effigie des titrés. Vous allez pouvoir repartir avec pour Kennedy la casquette de MVP puisque c'est écrit, hein, c'est brodé sur les casquettes. Il faut la mettre apparemment, on me dit dans la régie. Non, c'est pour David, celle-là. Pour David. Oh. Ah, meilleur entraîneur, pardon. J'ai inversé. MVP. David. Non. Apparemment, il faut la mettre. C'est pour l'image et pour les photos, hein, pour la Ligue féminine de basket. Ça, c'est sympa, l'image. Ouais. C'est Yannick. Un produit que les supporters vont pouvoir acheter. Elle est toute nouvelle. C'est une mise en vente. Elle a été mise en vente lors de la Coupe de France. Ça a très, très bien marché. Et on voulait marquer le coup d'un pour qu'ils repartent avec un souvenir, au-delà des trophées, bien sûr, qui sont de la Ligue féminine. Mais voilà, c'est un petit souvenir de notre part. Et on est très fiers, Arnaud Dubikowski et moi-même, de pouvoir leur offrir ce petit geste. Merci. Merci. Je vois que Lucas, oui. Mélissa et moi, on n'en a pas. Hein. J'ai pas eu de casquette. Moi, je dis juste ça. Ils ne sont pas MVP. J'aimerais juste faire un petit clin d'œil parce que on a parlé dans le duel Basketland Bourges. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné vraiment Bourges là-dedans, c'est-à-dire qu'on a aussi donné un petit boost à Bourges qui se retrouve pas forcément au top de sa forme avec des blessures comme on a pu entendre, avec on va pas dire un désavantage, mais qui se retrouve à une place où elle n'avait pas l'habitude de se retrouver. Donc c'est aussi un petit message pour dire force parce que cette série elle n'est pas gagnée, même pour Basketland qui a entre guillemets une belle dynamique, mais tout peut arriver. Donc j'espère que Bourges va se ressaisir, va trouver la force et le courage d'aller chercher justement ce match et se battre. Et en fait, Bourges reste Bourges. Hein. Faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Exactement. On peut parler des autres équipes, mais on est tellement habitué quelque part à ce que représente Bourges dans le paysage du basket français féminin qu'on oublie de
de me mentionner. Qu'on aura l'occasion de suivre. On le rappelle, je vous redonne les dates pour ces playoffs. Ça commence mardi, Basketland Bourges 20h45 et Roche-Vendée BLMA à 18h45. Voilà l'affiche de le bracket tout simplement de Ligue féminine de basket pour ces playoffs. On remercie tout le monde en plateau. Merci beaucoup Yannick d'être passé nous voir. Merci Lucas, puis rendez-vous à tous derrière la télé et surtout dans les salles. Et surtout dans les salles, sur les terrains. Mélissa, Angelo, on vous verra dans les salles à nos côtés avec Lucien. Merci Carla, merci David et merci Kennedy. Congratulations, merci one time. MVP. À très bientôt sur Sport en France pour toujours un peu plus de basket. Ciao.